Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Alors aujourd'hui chers amis, je vais faire un thème. Je vais faire un thème sentimental parce qu'on approche à grands pas des fêtes de Noël, de Nouvel An, Noël étant dans 8 jours hein, là maintenant. Et donc j'ai envie d'aller vérifier un petit peu quelles sont les intentions de votre autre pour ce jour-là. Quel beau cadeau va-t-il vous faire ou pas d'ailleurs hein, en tout cas c'est ce qu'on va regarder. Alors pour ça je vais utiliser l'oracle de Noël de Jennifer Aquarius. Voilà, c'est l'oracle, je vais vous le montrer là comme ça. Voilà, c'est A Very Merry Christmas Oracle de Jennifer Aquarius Tarot. Hein, voilà. Allez, on est parti, je vais baisser ma caméra. Quelles sont les intentions de votre autre là pour les fêtes de fin d'année? Quel cadeau? Ouais, je dirais même quel cadeau a-t-il l'intention de vous faire? On va jouer un peu les fouines et puis on va regarder. Parce qu'il a l'intention. Quelles sont réellement ses intentions là pour Noël? Alors, les guides, s'il vous plaît, quelles sont les intentions là de leur autre, de leur moitié, de leur masculin? Alors. Bon. Il est tenté quand même. Il est tenté. Alors, on est tenté d'être curieux. C'est ce que. Bon, ok. Je pense que je vais devoir changer de thème. Je suis désolée. Mais les guides sont en train de me dire oui, vous êtes tenté là de savoir, d'être curieux et de savoir avant l'heure. Hein. Le temps est un facteur là. C'est un petit peu ça. C'est vous êtes tenté d'aller satisfaire votre curiosité vis-à-vis de votre autre. Et là, en l'occurrence, ils sont en train de me dire bah ouais, mais bon, une belle surprise. Le problème, c'est que si on sait à l'avance, ça bah, c'est plus une surprise quoi. Donc voilà. Je vais changer de thème. Je suis désolée. J'étais partie pour faire un thème et puis là, les guides ils me disent non. Ne succombe pas à cette tentation d'aller satisfaire la curiosité, hein, clairement, parce que le temps fera son heure et puis tout arrive à point qui sait attendre. Voilà, clairement. On peut exprimer clairement. Et puis Noël, c'est bientôt, c'est dans 8 jours. Vous le saurez bien, non, c'est tout. Vous le saurez dans 8 jours. Bon, bah, je vais changer de thème. Je vais laisser parler du coup. Là, ils m'ont repris un petit peu à l'ordre. Bon. On est vraiment dans les unions sacrées, divines unions. Là, c'est les guides qui sont en train de s'amuser avec moi en disant, bah, c'est bien, t'es gentille, tu nous écoutes bien, laisse nous faire les surprises de l'ange. Hein, c'est un petit peu ça, voilà. Laisse nous faire les surprises de l'ange. Voilà. Mais on est vraiment là dans les unions divines. Ils vont parler des unions divines, des unions sacrées, des partenaires de vie, des âmes sœurs, des flammes jumelles. Bon, ok. Allez, on est parti du coup. Alors, les guides, bah, sur les unions divines, qu'avez-vous à dire? Quelles sont les énergies là pour ce vendredi? On est 8 jours de Noël. Quelles sont les énergies de leur autre? Qu'est-ce que vous avez à me dire là sur le plan sentimental? Alors, j'en ai une qui voulait venir avec le gros paquet. Il y a de la célébration. Bon, il y a de l'amour de soi. Ok. Bon. Alors. Il y a vraiment des bénédictions, hein, d'accord? Là, en ce jour-là, à 8 jours de Noël, il y a de vraies bénédictions. Il va y avoir aussi des vraies célébrations. Ça peut être des célébrations entre amis, hein, d'ailleurs, aussi, mais des annonces de bonnes nouvelles aussi. Hein. Il peut y avoir vraiment, je ressens des unions, je ressens des engagements quand même. Il y a une célébration à ce niveau-là, parce que je dirais que... Ouais, il y a l'amour de soi, puis il y a l'amour de son entourage, hein, également. Hein. Là, on est plutôt vraiment dans les fêtes de fin d'année qui vont bien se passer. Bon, les réunions familiales, en l'occurrence, c'est à Noël. Ouais, d'accord. Ce que je ressens, c'est qu'à Noël, alors que vous serez entouré de toute votre famille, vraiment, hein, vous allez recevoir une si bonne nouvelle qui vient de l'extérieur, qui vient, je dirais... Ça peut être une personne tierce qui va vous annoncer une très très bonne nouvelle qui va vous mettre en joie, qui va vous, vous allez réellement vous sentir aimé profondément par l'univers. Vous allez vous sentir chéri et béni par l'univers. Vous allez vous sentir exceptionnel aux yeux de l'univers, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et c'est une nouvelle qui sera concrète et qui sera matérielle et qui viendra de l'extérieur et de l'extérieur du cercle familial. Et ça va se produire alors que vous êtes en pleine réunion de famille. Ou inversement, vous pouvez être avec des amis, fêter Noël avec des amis et recevoir réellement des nouvelles de votre famille que vous n'avez pas pu rejoindre pour X raisons. Et qui va vous mettre en joie et vous allez vous, réellement vous sentir aimé
non seulement par votre famille, mais également par l'univers. Et vous allez vous sentir exceptionnel aux yeux, vis-à-vis de l'univers. C'est vachement chouette là, hein. Franchement. Oh, ok, bon, ok, d'accord. Alors, je les reprends toutes, hein, là, c'est un peu les messages annexes. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là, aujourd'hui, les deux? À 8 jours de Noël, là, ça va être quoi le miracle de Noël là, cette année? Waouh! Il y a vraiment des cadeaux d'amour. Hein. Il y a des cadeaux d'amour, il y a vraiment des surprises. L'univers est en train de vous préparer, mais la méga surprise, un petit peu, vous allez le prendre un petit peu comme un miracle, mais vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a la réalisation de vos souhaits. On ne sait pas encore ce qu'il y a dans le paquet, hein. Clairement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se concrétiser, mais alors sur le plan sentimental, il y a des beaux cadeaux qui se préparent, hein, quand même. Hein. Il y a vraiment des beaux cadeaux qui se préparent. Ah, chouette, ah, j'adore, j'adore, mais il veut pas tout dire là aujourd'hui, oh, il veut pas satisfaire. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la tête que je leur fais là, c'est ouais, je suis pas satisfaite, vous voulez pas tout dire quoi. Bon, ça, en tout cas, ils sont en train de vous dire, mais continuez là, sur ce chemin-là, hein. Continuez de vous aimer vous-même, hein, d'accord, et de redistribuer de l'amour autour de vous en retour, hein, c'est un petit peu ça. Continuez d'être serein, d'être sereine, vous êtes aimée, hein, d'accord, voilà, mais aimez-vous, hein, ok? Voilà. Et il y a un côté, là, bon, là, c'est moi, ils sont vraiment en train de jouer avec moi, là, hein. Ils sont vraiment en train de jouer avec moi en disant, non, 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 mais là, t'es trop curieuse. T'es trop curieuse, donc on ne veut pas dire. Bon, faut laisser faire les surprises. Bon. Pour l'unicité, on est vraiment. Ouais, il y a des choses qui vont bouger, là, pour les couples sacrés, hein. Je vous le dis, il y a vraiment un côté où ils vont mettre le paquet, je dirais, pour cette période-là. Alors, peut-être pas le jour de Noël, hein, d'accord? Mais quoique, après tout, pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, pour cette période-là, je dirais, dans les 15 jours, 3 semaines à venir, là, pour ces fêtes de fin d'année, on va dire, ils sont en train de travailler vraiment à unifier, à réunifier, à réunir. Les couples sacrés, entendez par là les partenaires de vie, les âmes sœurs, les flammes jumelles, hein, d'accord? De vous réunir à votre moitié, se réunir à sa moitié pour ne former qu'un, ne former qu'un avec son autre, mais également ne former qu'un avec l'univers. Hein. Il y a vraiment cette notion, vous allez vraiment ressentir que vous ne formez qu'un avec l'univers. Vous êtes un, mais je ne suis qu'un, mais je suis également le grand tout. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Il y a une notion de réunir les couples sacrés là. Bon, 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 bon. Ouais, alors, clairement, j'en saurai pas beaucoup plus. Il y a de très belles surprises là qui se préparent là pour les unions sacrées. Voilà, très honnêtement, il y a quelque chose qui se prépare. Où vous allez, alors que vous y attendez pas, clairement, moi je ressens quand même une belle surprise pour le jour de Noël, soit le 24, soit le 25, hein, clairement, hein, c'est un petit peu ça, mais une belle surprise. Vous êtes complètement ailleurs. Vous n'êtes pas dans des histoires de je me prends la tête avec mes histoires de cœur. Vous êtes bien entouré, vous vous aimez, vous vous épanouissez, vous êtes en bonne compagnie et il y a quelque chose, et je ressens, hein, vraiment, hein, il y a quelque chose de foudroyant qui arrive de l'extérieur, mais qui va vous mettre encore plus en joie, qui va vous, mais vraiment, qui va vous, voilà, qui va vous mettre sur votre petit nuage, quoi. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Et clairement, ils sont en train encore une fois, de dire, attention, ne sois pas trop curieuse, ne va pas trop en chercher. Hein, d'accord? Même si vous êtes insatisfait, mais je le suis aussi. Hein. Je vous le dis, là, je suis frustrée. Hein. Très honnêtement, là, je suis frustrée. Néanmoins, c'est de la bonne frustration parce que je les connais, je connais l'univers, je connais les guides, je travaille avec eux tous les jours. Et je peux vous dire que voilà, quand ils annoncent comme ça, il y a une grande surprise, il y a un grand moment de joie, ça arrive de l'extérieur, alors que tu t'y attends pas parce que tu vas être focalisé sur autre chose, en général, voilà. Ouais, c'est. Vous allez bénéficier, ce qu'ils sont en train de me dire, vous allez bénéficier de la surprise de l'ange. Voilà, clairement, la surprise de l'ange. La surprise de l'ange, c'est le cadeau qu'on n'attend pas. C'est le cadeau qu'on n'attend pas. Vraiment, c'est magnifique la surprise de l'ange. Moi, j'adore tous les anges. Voilà, j'y participe avec eux quelque part à cette surprise de l'ange. Et là, en l'occurrence,
Ah, ils sont en train de vous annoncer, il y a une belle surprise de l'ange qui se prépare. Ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être le courrier qu'on n'attend pas, ça peut être le message qu'on n'attend pas, ça peut être la déclaration d'amour qu'on n'attend plus. Mais clairement, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. C'est pas forcément quelque chose de matériel, ça peut être un signe de l'univers, mais tellement waouh, wow, moi j'en ai déjà eu, voilà, qui vous remplissent d'amour, mais qui vous rechargent pour 10 ans. Hein, clairement, c'est un petit peu ça. Ça peut être plein de choses, mais c'est ce qu'ils sont en train de vous annoncer là. Voilà, vraiment, et j'espère, mais de tout cœur, sachez-le, là, dans ces énergies de Noël, avec cette guidance là, qui est un peu frustrante, je vous l'accorde, je le suis aussi, mais je souhaite, mais du plus profond de mon cœur, qu'elle en touche le plus grand nombre, qu'elle en concerne le plus grand nombre, et vraiment, je vais prier pour ça, pour que cette surprise de l'ange, clairement, que tous mes abonnés, que tous ceux qui regardent cette vidéo soient concernés par cette surprise de l'ange. Voilà, qu'il y ait une bonne nouvelle, qu'il y ait quelque chose qui vous mette le cœur en joie et le cœur en amour, quoi. En amour de vous-même et en amour de l'univers, en l'amour de tout ce qui vous entoure. Voilà. Je vais m'arrêter là, chers amis. De toute façon, j'en saurai pas plus. Ils veulent pas me dire. Voilà, je suis dégoûtée. Ouais, je sais, il y a une notion de loyauté, mais ouais, ils le savent. Alors là, j'ai un message pour moi. Je vous le dis, ça faisait un moment qu'ils n'en avaient pas eu. Voilà, ils vont reconnaître. D'accord, il y a une notion où ma loyauté va être récompensée. Ma loyauté va être récompensée. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, je suis quelqu'un de loyal, moi, hein, et surtout de fidèle à moi-même. Voilà, vraiment. Bon, chers amis, eh bien écoutez, on n'en saura pas plus. C'est pas bien grave. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un excellent début de week-end, là, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, là, je vous donne rendez-vous dimanche, hein. Alors, le dimanche, maintenant, il y a deux vidéos. Il y a la présentation de tarot, d'oracle que je fais habituellement le dimanche. Et j'ai décalé donc les tableaux le normand. Là, je peux vous dire que le tableau le normand de dimanche, il est hyper intéressant, hein. Concernant la féminine et le masculin, on est plutôt sur du sentimental. Je vous glisse comme ça. Les nouvelles sont bonnes, hein. Les nouvelles sont bonnes et elles sont assez surprenantes. Je dirais qu'elles rejoignent un petit peu d'ailleurs ce tirage qu'on a fait aujourd'hui. Donc vous en saurez peut-être un petit peu plus dimanche. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis prenez soin de vous et il y a de belles surprises qui arrivent là. Je le sais, je le sens. Allez, ciao, ciao.